J'avais juste envie de vous montrer mes repas. C'est reparti. On ne change pas l'équipe qui gagne. Donc là, on a deux tranches de pain aux céréales et on a deux tomates. Alors je les ai pris à la cueillette de maison. Ça y est, je me suis laissée tenter et elles sont bonnes. Dedans, j'ai mis du fauton, donc le tuna de Garden Gourmet, avec du maïs et de la mayo vegan. Et là, il me restait un fond de purée de carottes, mais vraiment très très peu. Et des petits nuggets dinosaures que j'avais trouvés à Noz, c'est ceux-là. Donc je les ai finis aussi, ça me fera, je pense, un très bon repas. Et pour terminer, sur une petite note sucrée, un de mes préférés, le noisette amande de chez Sojasun. Si vous ne l'avez pas goûté, goûtez-le, il est vraiment, vraiment trop bon. Voilà, c'est ce que je vais manger demain. C'est reparti. Pour le repas de demain, ce sera un one pot pasta. Donc sauce tomate, thon. Donc le Vuna, hein, celui-ci là. Hop, il me reste encore un peu. Et puis bah, j'ai mis des champignons avec. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. J'ai pris un petit snack si jamais j'ai faim. Donc c'est des algues grillées. Elles sont trop bonnes. J'en ai pas mal, mais je me dis vaut mieux manger ça que des bêtises. J'ai pris donc encore un Sojasun à la noisette. Il m'en restait un. C'est le dernier. C'est bien dommage parce que c'est trop bon. Et je me suis dit que j'allais prendre une banane en plus. Voilà. Mon repas de demain. Et puis bon, on va le mettre dans la petite glacière Disney. Je l'aime trop, elle est trop mignonne. Coucou, bon bah voici le repas d'aujourd'hui. Je vous montre le matin. J'ai oublié de filmer le soir, en plus je l'ai fait, mais c'est juste que j'ai oublié. Donc là, j'ai fait un riz poêlé avec du tofu fumé et des courgettes. Ah, j'ai mon pain qui vient de sortir du grille-pain pour le petit-déj. Et pour ajouter à ça, une petite compote, comme d'habitude, et des petites algues là pour grignoter si j'ai faim. Voilà, ça ce sera mon repas de ce midi. C'est très simple, hein, mais c'est amplement suffisant. Et en plus, bah, il y a assez de protéines avec le tofu. Voilà, c'est parti pour la journée. Allez, bon courage. Bon, bah là on est le matin. Je n'ai pas pu faire à manger, mais j'avais prévu le coup. En fait, à l'équitation, on avait prévu de réaliser un petit apéro et ça a terminé tard. Donc j'ai pris ça, haricots & Co, un petit dal. Je l'avais déjà goûté, hein. Ce sont des bonnes portions et c'est vegan. Et c'est Nutri-Score B et avec ça quand même, vous avez de quoi manger. Et pour rajouter un petit peu de piment dans ce repas, j'ai rajouté une compote de pommes et une banane. Petit repas super simple, hein. Du riz et un poivron farci. Alors je l'ai farci avec les protéines de soja. Celles-ci, on les trouve en magasin bio, elles sont pas très chères, elles sont bonnes. Et j'ai mis de la sauce tomate, de l'origan, un petit peu de sauce soja et aussi le fromage Nourish là, celui qui ressemble au parmesan. Franchement, j'ai goûté, c'est trop bon. J'ai mis un petit peu de levure comme d'habitude. Là, on va se régaler. Hop. Et je rajoute à ça une compote. Et le dernier qui me reste, hein, donc le Alpro chocolat façon donut, ils sont pas mal. Ça change un petit peu. Voilà, il n'y a plus qu'à remettre tout ça là-dedans.